d'Harmonie et de Cadmos était splendide. Héphaïstos, Aphrodite et Arès y ont assisté, tout comme de grands chefs venus du monde entier. Arès et Aphrodite rayonnaient de fierté lorsqu'ils ont présenté chacun un cadeau à la mariée. Aphrodite lui a offert un superbe collier fabriqué par Héphaïstos, et Arès une magnifique robe ornementée. Pourtant, c'est votre cadeau qui a fait le plus sensation. Vous avez ramené Europe, qui a enfin retrouvé ses frères Cadmos, Tassos, Phénix et Cilice. Fous de joie, Cadmos et Tassos sont devenus vos alliés fidèles, tandis que Phénix et Cilice ont ouvert leur cité lointaine, Phénicie et Cilicie, au commerce. Harmonie et Cadmos ont même convenu de vous offrir la robe et le collier, même s'ils préfèrent attendre le départ des dieux pour ne pas les offenser. Seules deux ombres ont pesé sur la cérémonie. La première, ce fut la venue éventuelle de Talos, et la seconde, l'étonnante absence de vin. Il est difficile de s'en procurer en Grèce ces temps-ci, sauf au mont Citéron qui en a d'abondance. Mais ses habitants, qui refusent de partager leurs réserves, le gardent pour eux. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur le jeu Zeus, le maître de l'Olympe, pour la mission 5 de l'aventure de Zeus et Rhodes. Donc on a déjà fait plus de la moitié du chemin. L'objectif du scénario, le cadeau du mariage, tuer un monstre, donc ce sera Talos, ça c'est sûr. Bon, vu qu'il nous a pourchassé, il va nous poursuivre depuis la Crète. Et construire deux sanctuaires. Bon, on a déjà celui d'Arès, donc on va en construire un deuxième. C'est parti. Monument en honneur d'une colonie disponible, ok. Donc ce que je vais faire tout de suite, pour pas trop traîner, je vais faire le doc de Sidonie ici. Hop. Comme ça, ils vont pouvoir nous importer du vin. Voilà. Est-ce qu'on a encore un peu de chômage? Non. Donc on recrute. On va acheter une douzaine d'amphores de vin. Je pense que ça devrait largement suffire. Par contre, le bronze, je vais le descendre à moitié dans cet entrepôt. Et je vais accepter les 16 amphores de vin. Ok, donc là, c'est plutôt bien. Là, on a un sanctuaire, un quartier avec sanctuaire. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est qu'à côté de ce sanctuaire, je vais rebâtir un autre quartier. 10 planches de bois par Sidonie, ça va être utile. Et je vais laisser quelques cases d'écart, c'est toujours mieux. Voilà. Je vais commencer à décorer ça. Parce que je vais avoir besoin de populations supplémentaires pour plusieurs raisons. Donc je vois à long terme, je pense que si j'avais monté à 3-4 000 de population, ce serait cool. Hop, 10 maisons. Parfait. Par contre, je crois que j'ai fait un peu trop grand le sanctuaire. Enfin, pas le sanctuaire, pardon. L'agora, mais je pense que ça devrait passer. Ouais, ça passe pile poil. C'est parfait. Je vais tout de suite décorer. Je vais mettre une maintenance ici. Les 10 autres maisons là. Parfait. Je vais décorer un petit peu avec des labyrinthes, des belvédères et des jardins d'agrément, évidemment. Voilà, ça. On sera content comme ça. Ensuite, je vais tout de suite mettre un hôpital. Par contre, je l'ai peut-être mis trop tôt en fait. Parce que si je dois décorer là, ça ne va pas le faire. Voilà. Là, ça donnera un peu plus de cachet. Très très bien. Donc là, on a un autre quartier d'ouvert. Je vais également produire mettre un autre grenier ici. Oh, quel théâtre a été détruit? Ah, ça c'est un peu fâcheux. Pas de théâtre, pas de personne. Voilà. Et je vais rajouter quand même une deuxième maintenance ici. Je pensais pas en avoir besoin, mais malheureusement si. Et voilà. Est-ce que si je mets une autre... Célébrez-moi et j'empêcherai les prédateurs de fondre sur votre cité. Oh, vous êtes généreux. Attends, je vais juste ajourner. Je vais mettre un autre entrepôt là tout de suite. Plus on aura de vin, mieux ce sera. Oh oh, Thanos va arriver.
Et là, je dis oui, mesdames et messieurs. Donc là, je vais tout de suite construire le temple de Jason. Parce qu'on va en avoir bien besoin, si vous voulez. Si vous voulez mon avis. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? 3 trirèmes, 2 compagnies de cavaliers, d'accord. 75 caisses de nourriture, 8 chevaux. Alors, est-ce qu'on a du chômage là? Oui. Donc, là-bas, on avait une réserve de. Enfin, des pâturages fertiles. On va s'en servir pour deux choses. Donc, on va construire tout de suite un grenier là. Voilà. Une maintenance. Je vais aussi construire 3 ou 4 exploitations de blé ici. Tout simplement pour alimenter le grenier de une. Mais aussi parce que j'ai commencé à développer les chevaux là. Alors où sont-ils? Écurie. Voilà. Comme ça là on aura une petite source alimentaire en réserve. Donc là on est bon. Ensuite, là est-ce qu'on n'aura pas assez de nourriture ici? On va continuer à booster les fermes. Enfin, en construire, je pense que 2 de plus devrait suffire. Et là j'en ai combien? J'en ai déjà 6, mais ça suffit. Ça ne suffit pas du tout. Je vais en rajouter 3 de plus. Ok, donc normalement je pense que ça devrait aller. J'ai un peu peur, je le dis honnêtement, parce que Talos est très dangereux, comme vous le savez. Et je sais plus où il spawn. Ça c'est ça mon gros souci à l'heure actuelle. Dans mes souvenirs, je sais qu'il y a... Ce sera pas le seul monstre qui nous attaque hein, après l'hydre. Je sais plus s'il attaque ici. Ouh là, j'ai un gros... Si c'est là, ça serait bien. Mais si c'est de l'autre côté, ça va être compliqué à cause du marbre, tout simplement. Donc ce que je vais faire tout de suite, j'ai préparé un chemin. Je vais mettre des barrages routiers par ici, par là. Et puis je pense que ce sera tout. Oh le marbre. Oh non. On a perdu toute notre marbre. Et au revoir le marbre. Hein. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on est bloqué à cause de Talos, fallait s'y attendre. Mais on s'occupera de lui ultérieurement. Donc là, la vente de laine, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut vendre au... Est-ce qu'on leur vendrait pas de l'huile d'olive un peu? Une douzaine de jarres, par exemple. Mais d'un autre côté, Knossos nous vendra moins de vin. Et pour le moment, j'ai plus acheté de vin, je vais faire des économies là-dessus. Mais, il nous faut aussi un autre pressoir olive ici. Là, il faut pas trop traîner. Je vais rajouter un pour en avoir 4. Voilà, on se refait un peu d'argent. Ok. Donc la balle blé, ça pousse. Alors, le temple de Jason, qui est près des sculptures. On a les 84 caisses de nourriture. Ok. On va avoir les chevaux bientôt. Donc, je vais commencer à développer déjà. Les écuries. Pas les écuries d'Ogias, hein. Attention. Je vois certains petits malins arriver. Ok, on est pas mal. On a du blé ici, ça c'est cool. Donc on va tout de suite ravitailler cette section. Qu'est-ce qui a été détruit? Pardon. Alors. On a perdu une exploitation de blé malheureusement. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite mettre ça. Et je vais mettre une maintenance. Que sait-on désirer de mieux qu'un peuple piano. Sinon, on va perdre plein d'exploitation de blé. Et ça risque d'être pénible. Alors qu'est-ce qu'il nous demande ici après ça? Vous voulez du vin? Allez, c'est parti. Allez les riches, la bande d'ivrognes. Par contre, les 3 trirèmes, ça va être long à les obtenir. Ouais, en plus, il va y avoir une population assez conséquente. Donc là, on a quoi? De l'eau à mettre. Alors, parfait. Et on va tout de suite mettre un gymnase. Pour gagner du temps. Voilà. Célébrez-moi et vos soldats se sentiront plus forts. Ok. J'espère qu'on aura cette caisse de nourriture. Bon, là-bas, ça, c'est plutôt pas mal. Du coup. Par conséquent. Il n'y a plus que les trucs militaires. Ok. Combien vont nos chevaux présents ici?
Et bah c'est pas. On va tout de suite mettre les marchands de chevaux, les dresseurs de chevaux en activité. C'est très bien. Donc, tous les chevaux ont été pris, donc on a déjà une demi-compagnie de prête. Et ce sera pas mal. Par contre là il va nous falloir de la laine. Et j'ai commencé à préparer les podiums pour la suite. Ils ont ruiné des années. Le Talos a dû tout seul, il a ruiné des années de production de marbre, quoi. Ça me rend fou. Et là, faut que je prépare des télétrés réellement. Il va en falloir trois. Et votre cité sera à mon image. Je sais même pas où je peux les caser. Je pourrais en mettre une là. Bah écoute, on va faire comme ça. Hein. On va voir combien il faut de population, comme ça on aura déjà ça de près. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais tout de suite mettre. Voilà. Ça va me coûter combien de population? Tout ça, 157. Hein. Et on n'a plus d'armement. Est-ce que quelqu'un vend des armements ici? Ça va être très important. La Libye n'en vend pas, la Cilicie non plus. La Phénicie. Phénicie, on a besoin de toi, la doc. Il va falloir bien relier le tout, c'est ça qui va être un peu plus particulier à faire. Voilà. Et je vais tout de suite mettre un barrage routier et tout. Et une maintenance ici. Voilà. Achetons vite de l'armement, il en faut 24. On va tout prendre. Est-ce qu'on a les deux compagnies de KOD? Je pense que oui. On n'a qu'une compagnie, malheureusement. Donc là, on en a. Ça devrait plus tarder. Hein. Là, on a quoi? Qu'est-ce qui nous manquerait? Des livres d'olive, peut-être. Allez, c'est bien ça. Le chômage est en train de se résorber. Donc nous participons à remporter les Jeux Olympiques, c'est la convaincre. On a les deux compagnies cavalerie qui fonctionnent. Les trirames, ça va plus tarder. Qu'est-ce qui nous manquerait? Les chevaux. Pardon, on peut avoir combien de chevaux par écurie d'ailleurs? On peut avoir que 6 chevaux, je savais pas ça. Donc j'ai tout de suite réglé le problème. Célébrez-moi. Et j'ai déjà une idée de deuxième empire que je vais faire. Je pense que je vais faire celui d'Athéna, tout simplement pour l'huile d'olive. Là, on récupère du bois en masse, c'est parfait. Est-ce que Jason peut être invoqué? Alors, où t'es Jason? Ah, il en manque un, t'es sérieux? Il en manque deux maintenant. Je pense que là-bas, je vais détruire tout ça, ça refera gagner de la main-d'œuvre. Alors, les chevaux, ça vient ou pas? Deux, hein, c'est dingue. Bon, au moins on a une armée de cavaliers qui sera prête. Donc si jamais on veut envahir quelque chose, on sera tranquille. 6. Allez, zou. Allez. Envoyons du vin à Argos. Est-ce qu'il nous en reste encore du vin d'ailleurs? Je vais peut-être en racheter un peu. Bon, j'ai arrêté la vente d'huile d'olive. Non. J'ai arrêté avant de l'huile de l'île, nos stocks ne nous suffisent plus pour l'instant. Refusé, désolé mon cisteron. Enfin, désolé, tu ne mérites pas. Ouais, voilà. Alors on a combien? 740. Normalement, Jason peut être invoqué. Talos, tu vas morfler mon vieux. Ressens la douleur de mes coups. Je suis Jason de Yolkos, à votre service. Ok, donc voilà le fameux Jason. Pas plus tard que l'autre jour, je disais à ma femme combien cette cité est superbe. Ah bah merci du compliment, Jason. Maintenant, il faut que tu réduises en pièces taillées, s'il te plaît. Je vais arrêter d'acheter des armements. Allez, je vais être sympa, je vais ralentir pour que vous voyez le combat entre Jason et Talos. Il va vous falloir de l'aide pour régler ça. Oui, Jason, c'est pour ça qu'on t'a sollicité. Merci à toi. Ressens la douleur
de les couser ta tête. Il y a une belle lance quand même. Et voilà, Thanos. Pas plus tard que l'autre jour, je disais à ma femme combien cette cité est superbe. Fin de Talos. Talos n'est plus qu'un tas de ferraille, n'ayez crainte. Merci Jason. Et là du coup j'ai supprimé ça. Ça nous fera gagner. Ah bah tiens. Zou, ça nous a fait gagner suffisamment de population, ça c'est cool. Et derrière, je fais un marchand d'huile pour ici. Ensuite, je vais relancer la production de marbre ici. Enfin, la position. Pour mettre du marbre ici, pardon. J'ai plus le terme technique, bref. Tout refusé sauf marbre. Il y a le barrage routier qui a été détruit, si je me rappelle bien. Ah oui, bah oui, si le chemin est détruit, le barrage routier est détruit. C'est parfait. Et grâce aux sculptures que nous a gracieusement fait Calidon, donc on en a 8 et 3 11, donc là on va un petit peu de stock. Ça nous aidera de faire des achats. Là, tous les armements qu'on a, on va être tranquille pour un moment, je pense. J'ai pas mis un théâtre ici. Bon bref. Bon là on veut une belle armée, on va pas se le cacher. Mon Pélion, je veux bien t'aider, allez. T'as été sympa. Donc là, le premier objectif est accompli, on va tout de suite. Alors, Athéna, t'es où? Parce que là on pourrait produire de l'huile d'olive et ça serait cool quoi. Et je vais te mettre. Bah ouais, chaque quartier aura quasiment son sanctuaire, je pense. Allez. Du coup, Athéna, il nous faut aussi ceci. Qu'est-ce qui me manque? Ici, il manquerait un hôpital, si je vois bien. Ouais. Et un poste de guerre, je peux pas le mettre. Non. Non, il y a une raison si je peux pas le mettre. C'est... Et est-ce que l'imposition ici, c'est possible? Oui. Voilà, zoo. Et vous voyez qu'on a atteint plus de 4400 de population, donc voilà, on va être tranquille. Les jeunes et miens, Argos nous adore, merci. Nous aussi on t'aime, bisous. Là vous allez voir le sanctuaire d'Athéna qui va pas tarder à arriver. Il faut 8 sculptures, donc on en a 11, on est plutôt bien. Et il y a un Zabzab gobelin qui arrive. Argos, j'ai assez de laine pour le moment, je te remercie. Ah, je ne peux avoir que 2 sanctuaires, c'est dommage donc. Normalement, oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'y a plus assez de nourriture qui afflue. Ah, ça, c'est fâcheux, ça. Bon. Détruche du blé de Knossos, ça me plaît. Exploitons plus de blé. C'est bizarre qu'on ait plus autant assez de blé, c'est pas normal. Pourtant, les besoins devraient être largement couverts. Bon, bref. Bon, ça va, c'est revenu. Tiens, c'est vrai. Ah bah oui, c'est sûr qu'avec Jason, tu m'étonnes. Avec le fait que... Oh, oh. Ah bah oui, il me manque une maintenance ici. Ah bah bravo. Voilà, zou. On a sauvé le marbre. Il y a assez de nourriture normalement, oui. Ce qui nous a un peu mis dedans, tout simplement, c'est le fait qu'on avait mis les 64 caisses de nourriture pour Jason, quoi. Ça coûte assez cher un flingue, ça faut pas qu'on se le dise. Allez, je vais arrêter l'achat de 20 pour cette année. Là on a encore du blé en réserve, c'est pas bien. Et là on va avoir une belle armée avec je vois un peu l'état de notre armée. Ah non, c'est historique d'être bien défendu. On a eu 24 cavaliers, une troupe d'hoplites, 3 trirèmes. Je suis sûr, on peut aller. Je suis capable de tenter une invasion de mon Cistéron, mais il est bien fortifié apparemment. Je vais pas le tenter tout de suite. En plus, on a Jason, c'est cool pour en profiter. Quoi. Les héros peuvent aller au combat dans le jeu, ça c'est cool. Ah. Encore? Non, mais les gars, il y a un problème là, faut pas déconner. Ouais, mais bon, il y en a que vous abusez là. Je comprends pas qu'il y ait autant de problèmes de nourriture. J'espère mettre les fermes encore. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? 2 fermes de plus, non? Des fois, ça arrive des difficultés. Hein.
Mais clairement, c'est l'arrivée de Jason qui est un peu bien, mais qui nous met dans la merde aussi. Bien, que peut-on désirer de mieux qu'un peuple bien mort ? Là, on aurait deux. Avec Athéna, en fait, ce qui est bien, c'est que chaque dieu, en fait, a un pouvoir spécial. Ça, j'ai oublié de vous dire. Arès, par exemple, vous pouvez le prier pour qu'il vous accompagne vos soldats à l'étranger en campagne. Donc, ça, c'est plutôt cool si vous faites une invasion. Athéna, je crois qu'elle donne de l'huile d'olive quand vous en avez plus en stock. Ça, c'est plutôt cool. Bah, tiens, parlant de ça, je vais refaire mes stocks là. Alors toi, en plus ils mettent tout n'importe quoi, bah, j'ai accepté le deuil, je vais vider l'armement. Et toi tu vas aller là, et j'ai accepté que la laine. Voilà, tout le monde est content. On a un entrepôt d'huile d'olive à remplir à bord. Le marbre il met un peu de temps à ce qu'on fasse. Mon pélion, je veux bien. Ok, donc on est plutôt pas mal. Eureka! J'ai trouvé la meilleure cité et le dirigeant le plus efficace. Et là, ce qui est bien, c'est que notre commerce, là, il nous rapporte vachement beaucoup d'argent. Et il y avait quelqu'un qui a acheté du marbre, je crois, à un moment. Étant donné qu'on en a beaucoup, pourquoi pas le revendre, tout simplement. C'était pas Canmé, c'était pas Montpellion. J'ai un doute entre Calydon. Ouais, c'était Calydon. Refusé au Mont Sistéron. On règle numéro 1 dans le métier, petit. On n'aide pas les rivaux. Donc, le marbre, on va en vendre 12 par 12. Voilà. Que peut-on désirer de mieux qu'un peuple bien nourri ? Oh, et ce quartier qui a du mal à être ravitaillé en nourriture, c'est curieux quand même. Mon conseil est de suivre. Mariez-vous. Si vous trouvez une femme convenable, elle vous rendra heureux. Sinon, vous pouvez vous faire fouiller après, donc c'est bientôt fini. Je pense que l'épisode sera aux alentours de 20-25 minutes dans ces eaux-là environ. Allez. Donc, d'ici juillet, on aura de la nourriture. Célébrez-moi et j'empêcherai les prédateurs. Parce que comme je vous ai dit, on peut avoir 4 sanctuaires maximum par cité. On a déjà Zeus. On a Après Athéna ici. Je compte faire la ménagerie d'Artémis, tout simplement parce qu'elle peut nous rajouter une compagnie, deux compagnies d'archers comme les Arès nous rajoutent deux compagnies de hoplites, les Spartis. Et le dernier sanctuaire que je ferai, je pense, ce serait. Enfin, quoi que ça dépend de l'ordre. Je pense que je ferai le sanctuaire d'Aphrodite tout simplement parce qu'elle protège contre beaucoup de dieux masculins, dont Héphaïstos qui est notre ennemi, et je crois qu'on a aussi Dionysos. Si je me trompe pas. Ouais. En plus, Zeus nous déteste aussi, donc, mais bon, je pense pas qu'il va intervenir dans le scénario, j'espère pas. Parce que ça tire le courroux du roi de l'Olympe, c'est pas toujours bon, ce que je veux dire. Célébrez-moi et j'empêcherai les prédateurs de fondre sur votre cité. Par contre, ces maisons ont l'occasion des petits soucis. Je vais essayer de. Déjà, je vais remonter le cachet. On va voir si ça peut aider un peu. Voilà. Des jardins d'agrément. Voilà. Hop, le sanctuaire se termine. J'ai quand même fait une petite sauvegarde. On doit être à 80% du sanctuaire, je pense, grosso modo. Voilà. Et une statue d'Athéna sculptée, enfin une des grandes statues, tout simplement. Elle peut avoir 50 employés. Lui, si Arès contient 50 employés, je pense qu'Athéna va être 50-60 employés dans ma soirée. Je pense que je vais rajouter peut-être un théâtre. Et peut-être pourquoi pas qu'on soit la dernière zone résidentielle que je pense bâtir, ce serait ici. Hein. Je pense que ça serait suffisant. On a 8 des compagnies de cavaliers et tout. Célébrez-moi. Oui, ma chère, oui, mais. Et votre cité sera à mon image. Voilà. Une nouvelle sculpture, il n'en reste plus qu'une. Et je crois, du bar pour l'hôtel. Et je vais quand même remettre des moutons par-ci par-là parce que je crois que les gens. Les prêtres doivent en sacrifier quelques-uns, je pense, pour leur. Prédiction et tout bazar. Donc voilà, on a déjà mis assez. Allez, le dernier bloc de marbre, s'il vous plaît.
bien se marre dans le mur. Et là, les... Cette cité est la plus agréable de toutes. Et son chef est le plus brillant. Je vais tout de suite mettre une petite pause, une petite sauvegarde. Pour cette mission 5 qui est terminée. Les objectifs sont accomplis. Ah, on recrute. Beaucoup. Non, ça va. Jason a réduit Talos à un tas de ferraille en enlevant le clou qui retenait en lui le sang de l'homme de bronze. Toutefois, pendant la nuit, quelqu'un a dérobé la carcasse de Talos. Le coupable pourrait être un sculpteur des environs en quête de métal. À moins que ce ne soit Héphaïstos en personne. Votre statut s'est renforcé d'un bout à l'autre de la Grèce. Nombre de cités vous honorent de leur amitié, et même le puissant Minos de Knossos se déclare votre loyal sujet. Toute la Grèce parle de la robe et du collier d'harmonie, les superbes présents que Cadmos vous a promis et qui sont, à cette heure, en route pour Thèbes. Et voilà, donc c'est la fin de cette mission 5, le cadeau de mariage. Talos a été tué rapidement, même s'il a détruit toutes nos réserves de mar pour nous sortir, mais ça c'est pas grave, on a réussi à se refaire rapidement. On a construit le sanctuaire d'Athéna qui va nous être utile pour l'huile d'olive, parce qu'on va pouvoir renforcer encore notre production là-dessus. Et voilà, donc je vous laisse là pour cet épisode 5, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine, c'était Kaiser von Karstein, merci d'avoir suivi et à bientôt.